Bonjour, mon nom est Nancy Brunet, propriétaire de Éco-Sélection à Grimbay. Éco-Sélection, c'est une usine de fabrication à deux volets. Donc, d'un côté, on a les huiles écologiques qu'on fabrique pour traiter le bois et le béton. Et on a aussi les lits de rêve, qui est l'ébénisterie, où on fabrique lits, matelas, table de chevet, tout du bio, grano et écolo. Moi, j'ai procédé au rachat de l'entreprise en 2014. Le concept du lit de rêve était déjà là et certaines recettes de base pour les huiles étaient déjà présentes dans l'entreprise, qui s'appelait Pierre Gauvreau à l'époque. Et puis, le produit d'huile s'appelait Éco-Sélection. Je trouvais qu'il représentait très bien l'essence et les produits. Donc, j'ai choisi d'en faire le nom de l'entreprise. Au niveau des huiles, c'est tout simple, en fait. C'est un produit qui va remplacer les vernis ou les peintures. Mais c'est un produit qui est pénétrant, donc qui est facile d'application, qui sent bon, qui donne un résultat qui est très, très, très durable. On va utiliser l'huile sur un bois nu ou sur un bois qui est déjà huilé. Si on a un bois, disons, qui est verni ou qui est peinturé, on doit le décaper, le ramener à nu pour pouvoir le traiter à l'huile. Du côté des lits drive, c'est un concept un peu différent. On est avec une conception énergétique, donc il y a tout un travail énergétique qui est fait à la fabrication du lit pour le bénéfice des dormeurs. Et on utilise uniquement des produits naturels biologiques. Donc, les matelas sont en latex biologique. Le bois, c'est du frêne du Québec, du frêne qui est sain, très important. Comme c'est dans l'optique de la santé des gens, bien sûr, on a des matériaux sains. Et tout est fini avec les huiles naturelles Éco-Sélection. On a plusieurs efforts qui ont été faits pour du côté écologique. Et oui, la conception des huiles à la base était des produits écologiques, le sont toujours, même avec le développement de produits. Donc, on utilise des pigments qui sont naturels, on utilise des solvants qui sont naturels, qui sont des huiles essentielles. Bien, en tant qu'entrepreneur, souvent quand on est dans une petite entreprise, on doit avoir tous les chapeaux. Malheureusement, on n'a pas tous les talents. Donc, je me suis tournée du côté d'entrepreneuriat au Tiamaska pour les talents que j'avais besoin de support. J'ai bénéficié de plusieurs éléments, dans le fond, à travers les années. Naturellement, du financement, mais aussi les prévisions budgétaires. Donc, toute la portion financière, on m'a énormément appuyé. Au niveau du marketing aussi, au niveau des communications officielles, ça c'était plus difficile pour moi, donc j'ai eu de l'aide à ce niveau-là. Entrepreneuriat puis Grimbay industriel, ça reste des gens de cœur qui ont vraiment à cœur de faire développer plus que juste l'économie locale. T'sais, c'est des gens qui veulent élever d'autres gens. L'entrepreneuriat pour moi, c'est des beaux défis. C'est des opportunités de s'améliorer en tant qu'humain. Ça offre aussi des opportunités de réseautage qu'on n'a peut-être pas dans d'autres milieux. On a tellement à apprendre des autres, mais on a aussi la chance de les connaître puis de les croiser parce qu'il y a toutes sortes d'événements d'organiser. C'est une opportunité qu'on n'a pas ailleurs. Fait que l'entrepreneuriat apporte ça, selon moi. Là, c'est comme un des plus beaux cadeaux de l'entrepreneuriat.